Le monarque de Fatouiva est une espèce endémique de la Polynésie française, donc une espèce unique au monde. C'est à l'heure actuelle l'oiseau le plus menacé de Polynésie française et un des oiseaux les plus menacés au monde. On compte une vingtaine d'individus seulement dans la population et environ 4 couples reproducteurs actifs. Donc il est vraiment très urgent d'agir pour protéger cette espèce qui est à la limite de la disparition. Lui, il était abondant il y a une quarantaine d'années. Le rat noir est arrivé par bateau. Et il a décimé l'espèce en une trentaine d'années en mangeant les nids, et le chat s'est rajouté par-dessus à manger les petits. Et récemment, en 2022, on vient de découvrir la malaria aviaire, donc qui est une maladie spécifique aux oiseaux. La SOPMANU agit en faveur de l'espèce en mettant en place des actions de lutte et de contrôle contre les espèces exotiques envahissantes. Comme le rat, donc avec de la mise en place de pièges notamment sur plus de 600 hectares, et sur le chat via des campagnes de stérilisation dans les villages proches de l'habitat du monarque de Fatouiva. Malheureusement, ces actions ne sont pas suffisantes et l'espèce actuellement est vraiment frôle d'extinction. Tout d'abord, il va y avoir le prélèvement des œufs dans le milieu naturel qui va se faire au début de ponte. En fait, certains oiseaux sont capables, quand vous prélevez les œufs en tout début de ponte, de faire une ponte de remplacement et à terme d'arriver à mettre en place un programme d'élevage. Les garder dans des volières, protégées des moustiques pendant quelques temps, et déjà faire des tests de relâcher pour voir comment ça se passe, mais sinon c'est garder une population qui va après produire des petits pour renforcer, relancer la population sauvage. Et les oiseaux sont assez résistants sur la consanguinité. Il y a beaucoup d'exemples d'espèces qui sont reparties à partir de vraiment quelques individus qui ont perdu très peu de variabilité génétique, donc c'est pas un souci comme chez les mammifères. La LPO a décidé de cofinancer ce projet au même titre que Boval Nature et également d'apporter une expertise technique tout au long de ce projet pendant 2 ans. Il faut savoir qu'en Polynésie française, il y a près de 9 espèces d'oiseaux endémiques qui sont classées en danger critique d'extinction selon le IUCN, soit le dernier stade avant l'extinction. Donc il est vraiment urgent d'agir et on est vraiment heureux avec Boval Nature de pouvoir déjà mettre une première pierre à l'édifice avec ce projet de sauvegarde du monarque de Fatouiva envers la protection de la biodiversité menacée en Polynésie française.